Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Quand j'habitais sur l'île de la Réunion, j'ai découvert ce proverbe qui dit bien ce que je fais avec Art du Lien. Je suis Émilie Segeré-Véran et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Depuis un voyage autour du monde il y a 10 ans, j'interviewe des femmes créatrices pour montrer que nous sommes toutes entrepreneurs de nos vies. Je suis moi-même créatrice, créatrice de liens entre des horizons qui trop souvent s'ignorent. Avec Art du Lien, les personnes, les organisations, les entreprises visent des transformations à impact positif. Je les accompagne au changement à travers des formations ou des événements étonnants. Ma mission, c'est décloisonner pour faire un pas de côté. Dans ce podcast, nous allons parler avec des femmes et des hommes du travail ensemble, des collaborations, des partenariats, de l'intérêt de se rapprocher d'une vision et d'un horizon différent pour ne pas rester assis sur ses convictions, ouvrir le champ des possibles et construire le monde différemment. Des professionnels, des entrepreneurs de tous horizons, des passionnés d'art, d'artisanat, de sport, de science ou encore de design, de voyage, vont partager comment ils tissent leurs liens dans leurs mondes intérieurs et avec les autres. Je vous propose de découvrir leur art du lien. Parce qu'on ne quitte jamais vraiment sa Corse natale, Angelica Samartiel vit et travaille à Bordeaux, mais développe aujourd'hui aussi son activité sur l'île de Beauté. Dans cet épisode, elle nous parle de transmission, de rencontres, de dons et contre-dons, beaucoup d'entrepreneuriat au féminin, une sensibilité d'artiste dans une vie de chef d'entreprise. Bonjour Angelica Samartiel. Nous nous sommes rencontrés par l'association des chefs d'entreprise Corsican Business Women, qui est partenaire des premiers épisodes de notre podcast Art du Lien. Merci de venir route des sanguinaires autour d'un petit café pour présenter ton activité et ton art du lien. Nous avons déjà beaucoup échangé pendant le confinement pour une interview que je t'ai faite et un portrait de femme créatrice pour le site By Woman. Aujourd'hui, nous allons plus parler de tes collaborations, du partenariat et du travail ensemble avec d'autres que tu peux mener avec ton entreprise Trait d'Union, qui fait du wall art, de la décoration murale, et également Allegoria, la première marque de papier peint haut de gamme et d'affiches et de tirages d'art qui est disponible sur ton site et de vente en ligne, et également sur des plateformes de professionnels telles que Maisons et Objets. Je vais résumer deux minutes. Je vais tenter de résumer ton parcours et puis je te laisserai la parole ensuite, évidemment, longuement. Alors, ton projet entrepreneurial depuis petite, tu le mènes secrètement. Tu étais très créative, tu dessinais et tu as commencé à travailler tôt, d'abord dans les commerces familiaux, puis tu as quitté la Corse. Et ton goût pour le design et ta détermination t'ont permis de découvrir la culture d'entreprise dans des grandes maisons comme Gucci ou Lancel. Ton sens commercial, l'art de la valorisation, la gestion et l'exigence de ces grandes maisons sont des socles solides pour mener l'aventure Trait d'Union. Alors, est-ce que cette description, cette actualité te correspond? Est-ce que tu veux compléter sur le parcours ou sur ton activité? Non, elle est parfaite, la présentation, et merci de me recevoir. Avec plaisir. Et, donc, est-ce que tu peux préciser peut-être quel chemin t'a mené jusque-là, ton parcours, les liens et les expériences personnelles et professionnelles? Alors, le lien, il est aussi beaucoup familial. Le fait d'être partie à Bordeaux grâce à mon mari et la découverte de sa famille sur place m'a permis d'étendre aussi, au-delà de mon parcours professionnel, le,
le lien avec les autres, parce qu'on est très enfermé quand on est en Corse. Et quand on part, voilà, on a cette ouverture. D'accord. Et du coup, ça va aussi avec les satisfactions et les succès que cette expérience t'a apporté ? Tout à fait. Beaucoup de satisfaction et aussi... Il y a beaucoup de contraintes, forcément. Déjà, sur le plan familial, on ne peut pas s'occuper, quand on est entrepreneur, surtout une femme, on ne peut plus s'occuper aussi bien de ses enfants que quand on a un timing très, très réglé. Donc forcément, ça impacte sur la famille. Enfin, c'est le premier facteur qui me vient. Ensuite, il y a aussi le côté finance. Donc ça représente 3 ans d'investissement sans retour. Et ça, je pense qu'il faut le prendre en considération quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et surtout quand on est une femme, parce que forcément, on fait moins confiance à une femme qu'on va faire à un homme. C'est ce que tu me disais dans la première interview, justement. Oui. Bien que j'ai été, on va dire, privilégiée avec une banque qui m'a vraiment soutenue, mais c'était une banque qui était déjà dans l'entrepreneuriat féminin. Voilà. Donc, forcément, ça facilite. D'accord. C'est une banque qui soutient particulièrement... C'est le premier partenaire de Bouge ta boîte. Du salon dont tu me parlais, du coup, qui est... Alors, Bouge ta boîte, c'est une association de femmes, mais il y en a partout en France. D'accord. Des foyers partout en France. Qui soutiennent l'entrepreneuriat au féminin. Exactement, qui le développent. Voilà, un petit peu comme on fait nous, mais à l'échelle nationale. D'accord, donc voilà. Là, on est en train déjà de parler de collaboration. On allait y venir et du coup, voilà. Ça vient dans la conversation. Ça vient dans la conversation. Au-delà de cette activité entrepreneuriale, tu as aussi une activité associative, un engagement auprès d'autres femmes pour les soutenir dans un réseau qui s'appelle Rétis. Exactement. À Bordeaux. Woman Friendly Business, parce qu'on fait du friendly business, justement. Et on n'est pas du tout comme un BNI où il y a une structure, une rigueur, où on répète beaucoup les choses. Là, pas du tout. C'est beaucoup... je me suis rendu compte que j'étais entourée d'une quarantaine de femmes entrepreneurs. On est souvent attirées par les gens qui nous ressemblent. Mais j'ai eu l'idée un jour de réunir toutes ces femmes. Voilà. Donc, on s'est retrouvés à 40 et ça a été le début de l'aventure de Rétis, donc début 2018, et on ne s'est plus quittés. Et on a décidé donc de créer l'association avec un noyau dur. On est 6 et on est tout engagés. Et donc, vos actions, vos axes d'intervention, c'est des soirées d'échange thématiques sur la solidarité entre femmes, sur... des problématiques communes que vous pouvez avoir, mais aussi l'estime de soi, la notion de parcours, les échecs aussi. Beaucoup d'échecs, parce qu'on en a 2 dans l'association qui sont rentrées. Elles avaient, toutes les 2 avaient eu un échec. Et c'est vrai que nous, on est là aussi pour soutenir et essayer d'impulser pour... Oui, parce que ces échecs font aussi partie des parcours et que ça peut être d'autant d'expériences qui font rebondir sur d'autres choses. Exactement. Donc, de pouvoir... On parle souvent des gens qui réussissent à travers tous leurs outils en disant « il faut faire ci pour réussir, il faut faire là, il faut faire là, il faut faire ci ». Mais on ne parle pas des autres personnes qui ont échoué avec les mêmes outils. Exactement. Et ce sont d'autres expériences elles existent. Et elles existent. J'allais dire malheureusement, mais parfois, mais en fait, c'est mieux comme ça aussi. Heureusement. Voilà. Donc, c'est important aussi de mettre ça en lumière, parce que ce sont des expériences qui arrivent. Très bien. Et du coup, dans cette expérience, qu'est-ce que tu y cherches, toi ? Dans ces collaborations au niveau associatif. Collaboration, c'est plus donner. J'avais besoin, et ça c'est encore depuis l'enfance, ça va aussi avec mon parcours entrepreneurial, j'avais besoin de donner ce que j'ai reçu
de le transmettre. J'ai eu beaucoup de chance. C'est cette prise de conscience d'avoir eu beaucoup de chance à travers tout mon parcours, d'avoir été bien entourée par la famille, d'avoir été aussi, professionnellement bien entourée. Voilà. Et du coup, tu as eu envie de faire bénéficier à d'autres. Exactement. Et aussi mes échecs. J'avais besoin de transmettre aussi mes échecs. Donc là, on est bien dans le partage de l'art du lien qui est comprendre, partager, innover. Oui. Et c'est vrai que partager, ça fait partie aussi de l'expérience et de d'avancer dans un parcours. Hein. Comment ça se passe alors, le fait de vouloir partager c'est spontané ou... C'est spontané. Et c'est surtout avec les rencontres. Avec les rencontres, ça se fait automatiquement. C'est au gré des rencontres. Oui, ça se fait automatiquement de discuter. Et c'est la réceptivité aussi. Une question de personne à personne. Exactement. Le feeling passe. Le feeling, exactement. D'accord. Peut-être alors que au niveau des collaborations plus professionnelles dans ton activité au niveau de Trait d'Union ou de Allegoria, tu as aussi d'autres types de partenariats ou de collaborations qui sont construites sur un autre mode. Tu peux nous en parler. C'est aussi une question de rencontre. Mais sur un autre mode, pas tellement. Beaucoup au feeling aussi. Beaucoup au feeling. Tu dois sentir la personne. Bien qu'il y ait, comme dans toutes les entreprises, des marches. Forcément, il faut aller taper aux portes, il faut se vendre. Mais bien souvent, il y a aussi le feeling. On en revient toujours à la même chose. La rencontre au gré d'un dîner ou de parents d'élèves ou autre. Et ça match et c'est le bon moment aussi. C'est le bon moment, oui. C'est souvent ça. Donc, tu avais une associée au départ pour Trait d'Union, qui était artiste. Tout à fait. Et du coup, là, vous vous êtes séparés aussi. C'est ça aussi, hein, les collaborations. C'est savoir se dire que avancer ensemble, c'est compliqué. Et retrouver... En fait, on a simplement retrouvé ce qu'on avait au départ. C'était une collaboration. Ensuite, on a créé Trait d'Union ensemble. C'était notre bébé. Et puis, Laetitia était beaucoup plus artiste. Et on peut donner son nom d'artiste aussi. Oui, c'est Eunice Green. Qu'on peut retrouver sur Instagram, qui fait des jolies illustrations, exactement, entre autres. Ah oui. Oui, c'est une très, très belle artiste et une belle personne. Et c'est vrai que cette on va dire qu'on a simplement retrouvé la collaboration de départ, parce que c'est vrai qu'une structure, une gestion, c'est pas... Ça enlève quelque part ce côté artistique. C'est ça. Voilà. C'est compliqué de mener en tant qu'artiste une vie d'entrepreneur. Exactement. Même si pour développer son activité artistique aussi, il faut avoir l'esprit et la démarche, la rigueur d'un entrepreneur, mais... d'une entrepreneur, oui. Mais oui, c'est vrai qu'après, les parcours font que ça peut... Exactement, ça n'a rien changé à notre vie, finalement, au quotidien, puisqu'on travaille tous les jours ensemble. Alors après, on a des petits projets séparés, mais on se fait toujours des comptes rendus. Vous restez dans la communication proche. On reste dans la communication proche. Mais c'est le statut d'associé qui a changé. C'est simplement le statut. D'accord. En effet, oui, ça peut évoluer, hein, les relations professionnelles. Du coup, exactement. Il faut les adapter en fonction des besoins et des possibilités de chacun. Est-ce que tu veux nous parler, ou pas, hein, tu verras, d'une autre collaboration, par exemple, avec un artiste homme dont tu m'avais déjà parlé, mais qui m'avait bien intéressé. Bernard Penalba. Alors là aussi... Ça a été un coup de cœur professionnel, hein, comme c'est souvent le cas. Et puis, il m'a présenté une collection d'affiches faites avec, des morceaux de feuilles, des bâtons d'angélique. Donc, c'est des empreintes et j'ai trouvé ça beaucoup plus masculin. C'est un petit peu ce qui nous manquait dans nos collections, quelque chose d'un peu plus masculin, d'un peu plus noir, d'un peu plus... Alors, pas noir dans le mauvais sens du terme. Hein, mais plus ténébreux, plus végétal et nature. Voilà, exactement. Peut-être...
singulier. C'est vrai que j'ai pas trouvé autre chose qui ressemble, même pourtant il y a plus de 1000 marques de papier peint, peut-être 60 000 références dans les collections de papier peint. Et c'est vrai que celle-ci, avec cette collaboration, elle est vraiment singulière. Oui, c'est vrai qu'elle a, une... Je ne connais pas toute la collection, mais ce que j'ai pu en voir, c'est vrai que c'est très personnalisé. Personnalisé, et puis ça a une vraie histoire. Oui. Voilà. C'est son parcours à travers le monde, où il récupère tous ces feuillages, ces branchages, et il fait des empreintes avec l'encre, et toujours avec des couleurs de base, voilà, le bleu, le noir... Donc c'est très particulier en effet, singulier. D'accord, donc ça c'est ce qui t'a plu aussi dans ce et dans puis sa personnalité, dans sa personnalité aussi. Mmh. C'est quelqu'un qui prend son temps et de très observateur et justement le retrouve dans sa collection. Très bien. Maintenant, il y a une citation de Gandhi. Qui dit être le changement que tu souhaites pour le monde. Qu'est-ce que ça t'inspire et est-ce que tu as déjà eu le sentiment de vivre cette idée? Comment tu la comprends et tu la projettes dans ton parcours à toi? Alors, être le changement pour le monde. Alors, ça m'inspire beaucoup de choses, mais à mon échelle, donner. Commencer par donner. Oui, je crois que c'est vraiment ce qui rejoint ce que tu as commencer, pu dire. Voilà, commencer par donner des petites choses, des petits bouts de soi au quotidien et essayer d'avancer. Après, c'est vrai que... Bon. Se l'appliquer au quotidien tous les jours, ça fait beaucoup sur les épaules, on est d'accord. Ça fait beaucoup sur les épaules. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop dur aussi avec soi-même. Ni trop exigeant. Et se dire que les toutes petites choses, ça peut impacter comme un effet papillon. Il faut essayer au quotidien, voilà. Mais après, est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est comme ça que je le conçois et que je le vois pour l'instant. Oui, ça se reconnaît bien dans ce que tu as pu nous partager jusque-là. Pour terminer, s'il y avait une personne ou une organisation qui te fait vibrer, rêver, que tu admires ou en tout cas avec qui tu aimerais collaborer. Alors, c'est déjà le cas. Je collabore déjà avec les Corsicanes par le biais de Rétis, puisqu'on n'a pas jumelé, mais on a... Oui, on peut dire jumelé, nos deux associations depuis quelques mois. Donc, entre Bordeaux et la Corse, pour faire du business, essayer de... Voilà, de faire rayonner la Corse et le business féminin au-delà de la Corse et en même temps pour les Bordelais de pouvoir aussi s'imprégner d'une culture forte et aussi d'une autre vision des choses. Donc on trouvait que c'était important. Et puis j'admire beaucoup Caroline Tarsitano qui est la nouvelle présidente. Nous anime toutes. Voilà, exactement. Elle est professionnelle, elle a une vision globale et elle nous aide à toutes... Avancer individuellement et collectivement, je partage. On aura l'occasion de l'entendre dans le podcast une prochaine fois et j'ai hâte de partager. Merci beaucoup, Angelica, d'avoir présenté... d'avoir présenté ton art du lien, trait d'union, Rétis, Allégoria et toute cette énergie communicative. On sait maintenant, selon toi, comment on peut impacter le monde. Merci d'avoir partagé ton art du lien. Merci.